celle que j'avais dénichée à mon travail quand j'ai commencé à enregistrer, c'était une grosse mandoline napolitaine. Ouais, là. Ouais. J'étais obligée de jouer assis, là, parce que sinon, ça virait de bord. Puis sinon, non, c'est, la mandoline que j'ai là, c'est une mandoline que j'ai trouvée chez Gagné et Frères à Québec, qui est un magasin qui existe depuis super longtemps. Le jour qu'on, qu'on, qu'on a fait le premier album avec Les Chercheurs d'or. Puis la mandoline que j'avais, je sonnais pas. Puis je suis tombée sur cet instrument-là, puis j'étais comme... Ah! Puis là, j'avais pas l'argent pour me la payer. T'sais. C'est une Gibson 1957. Puis finalement, je dis, je vais y penser. Là, on était rendu dans le studio en train d'enregistrer les tunes, puis j'ai fait, ben non. Ça marche pas partout. Je suis descendue chercher la mandoline en bas. Puis, ouais, je l'aime beaucoup, cet instrument-là. Moi aussi, je me cherchais une guitare que je me disais, je pourrais en avoir juste une, tu sais. Puis, à un moment donné, on s'était payé un spectacle, en groupe d'ailleurs, on s'était payé un spectacle pour voir un groupe à New York. Puis, j'ai commencé à magasiner ça, là, puis j'ai trouvé cette vieille guitare-là dans un magasin, puis... J'ai acheté ça avec ma carte de crédit, pas d'argent dessus, mais en tout cas, ça a passé cette fois-là. Je l'ai ramené ici sans rien dire à personne. Fait que, c'est comme ça que j'ai obtenu ma vieille guitare. Ça fait un bout de temps que tu l'as. Gibson L1, 2006, j'ai acheté ça en 2004. 2004, j'ai acheté ça. Ouais. C'est une 22, mais elle a été refaite, un peu retapée, mais c'est la lutherie d'origine. Ouais. C'est quoi? Quand que moi j'ai essayé la mandoline, François est venu jammer avec moi dans le magasin avec sa guitare, puis on aimait bien comment ils se parlaient les deux instruments. Ouais, c'était ça. Fait qu'il y avait ça. Mais il y a aussi moi en tout cas c'est peut-être un peu ésotérique, mais moi j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de chansons dans la guitare, tu sais. Puis je me suis toujours imaginé qui avait pu avoir cette guitare là depuis comme 80 ans, 90 ans, 95 ans. Puis c'est ça, je me suis dit, elle est inspirante, tu sais, c'est ça. Au début, j'avais quasiment peur de la sortir. Puis on est dit, bon, là, on l'amène partout. Moi, je l'amène partout, puis je me dis qu'elle est magique, elle se brise pas. Tu sais, ma mandoline, elle était en consigne, puis il m'avait dit que c'était un vieux monsieur qui l'avait, puis qui était dans le garde-robe depuis longtemps. Fait que je suis vraiment contente de la sortir de là. Il faut que ça joue un instrument. Ouais. Mais moi, c'est plus fan du banjo encore. Puis le banjo, c'est une histoire particulière? C'est une histoire derrière ton banjo? Ben, c'est juste. Mon banjo, non. Mais comment j'ai commencé à jouer du banjo, c'est juste parce que ma mère en avait un à la maison. Moi, mon grand-père, le père de ma mère, était banjoiste. Mais je ne l'ai pas connu, malheureusement. Il est décédé quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ça, j'ai toujours trouvé ça spécial, que finalement, j'ai joué du banjo. Puis ma mère avait un banjo qui traînait chez elle. Puis à un moment donné, on avait essayé une toune avec ça. C'est à partir de même. À partir de ce moment-là, je me suis mis à essayer de jouer de cet instrument-là qui n'est vraiment pas facile à jouer. Puis l'instrument que j'ai là, c'est celui que je traîne depuis... 8 ans, certains. Ouais, quasiment. Ouais. Fait qu'il a pris... je l'ai acheté neuf, mais il a comme pris le pouls de tout le chemin qu'on a fait depuis ce temps-là, toutes les tournées puis tout ça. J'étais tellement pris là, j'ai pas